Good morgen, allez, d'un étude sera aujourd'hui le Nishmat Amoyana, Ben Khanabegi Batester, Zabad Mazaltov, Shishporti, Simon Batleoni, Michel Novikov, et aussi de Fouat Rout, Bat Claudine Traina, et Simcha Bat Mazoudi Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi aider les prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shavuot, Perek Dalet, Mishnah Yudalef. Amar Lishnaim, Mashbiani Alechem, Ishploni ou Ploni, Shim Atem Yodim Liedout, Shetavou ou Te Iduni. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, והם יודעים לו עדות עד מפי עד, או שהיה אחד מהן קרוב ופסול, הרי אלו פטורים. On traduit d'abord, après on explique. אמר לי שניים, il a dit à deux personnes, deux témoins. משביע אני עליכם, je vous assermente, איש פלוני ופלוני, tel et un tel, שאם אתם יודעים לי עדות, que si vous savez un témoignage en ma faveur, שתבואו ותעידוני. Je vous assermente de venir et de témoigner pour moi. D'accord ? Shvua she'en anu yodim lecha edut. Eux m'ont rétorqué, donc, comme la halakha classique, ils ont nié au Bet Din, ils ont même juré d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas de témoignage en ma faveur qui puisse m'aider. Et en réalité, ils ont bien sûr menti, apparemment, puisqu'ils connaissaient quelque chose. Mais, une petite chose qui joue à leur avantage, Vehem yodim lo edut edmi pied. En réalité, il connaissait un témoignage edmi pied, un témoin de la bouche d'un autre témoin. On va expliquer dans quelques secondes. Oshaya echad mehen karov pasul. Ou bien il y en avait tout simplement un des deux qui était karov o pasul, un qui était proche parent, soit du plaignant, soit de l'accusé. Et ou bien, ou soit les deux ensemble, ils étaient même karovim. D'accord ? Ou bien il y en avait un des deux qui était pasul. Inapte à témoigner, c'était par exemple quelqu'un qui transgressait des interdits de la Torah, comme ce qu'on apprenait dans le Sechet Sanhedrin, on apprenait qui sont les psoulets et doutes, ceux qui sont inaptes à témoigner. Pas cachers pour le témoignage. Des mauvais juifs. Ça arrive. Et donc, maintenant, il y en avait un de deux, ou même les deux, qui étaient psoulim la et doutes, alors la Mishnah nous enseigne Arei et Loup Tourin. Ils seront tous les deux dispensés du Korban à et doutes. Pour quelle raison ? On va tout expliquer dans quelques secondes, mais d'abord on va justement découvrir quelle est la raison, on n'a qu'à faire directement le partenariat, comme ça on s'est acquitté. Vehem yodim lo edut et mibied, cholep tourin, pourquoi ? Ils sont dispensés. Sheim eidou, car s'ils avaient témoigné, lo aita edutan moelet lo klum, leur témoignage ne lui aurait servi à rien puisque c'est un mauvais témoignage. Soit, la Mishnah nous apprend une donnée en fait relativement très simple. Il y a ici deux témoins qui sont en fait inaptes à témoigner pour deux raisons différentes. Soit parce que c'est ce qu'on appelle edmipied, on va l'expliquer après, mais on va d'abord commencer par expliquer c'est quoi être un karov au pasoul. Notion très simple et très connue de tous. Il y en a un de deux qui est un proche parent, donc en fait j'ai deux témoins devant moi, et je leur demande donc, je les assermente. Si vous savez quelque chose, témoignez en ma faveur. Et eux nient. Il s'avère que maintenant, la Mishnah nous enseigne très simple. Étant donné que s'ils avaient finalement témoigné, est-ce que ça aurait eu une valeur de témoignage, leur témoignage? Non. Pour quelle raison? Ils sont inaptes à témoigner. Soit parce qu'il y en a un des deux qui est un proche parent, on a besoin de deux témoins. Il y en a un des deux qui est proche parent, donc il les possède les deux. D'accord? Les deux deviennent psoulim. Idem s'il y en avait un des deux qui était tout simplement un mauvais juif. Donc les deux ne peuvent pas témoigner en même temps. Donc s'ils avaient ouvert la bouche, on aurait sorti de l'argent grâce à leur témoignage? Non. De ce fait, s'ils ont nié, ça n'a pas de valeur de edout. Ça n'a pas de valeur de témoignage. On va apporter une notion très importante d'ici quelques secondes. Mais d'abord, on va expliquer maintenant c'est quoi le ed mipi ed. Un témoin de la bouche d'un témoin. Notion très simple. On sait très bien que la Torah insiste. Un témoignage dans la Torah, retenez bien ça, parce que malheureusement, le monde moderne, en France, c'est des tribunaux goy, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, en Israël, quand on tombe avec des tribunaux juifs qui jugent de cette manière, c'est un très grave problème. On ne spécule jamais au Bet Din. Un juge ne spécule pas. Il n'a pas de Ruach HaKodesh. Il n'a pas de... On a besoin d'une chose pour pouvoir trancher. C'est d'abord des témoins oculaires. Des soupçons très aiguisés, même des fois même des preuves d'empreintes. Ça n'a pas, en général, de valeur de témoignage. Il faut un témoignage, quelqu'un qui a vu la scène. D'accord ? Et si on n'a pas vu la scène, le juge ne peut pas trancher. De ce fait... Si le meilleur ami qui avait une barbe, Baba Salé, il m'a raconté à moi que Réhouven, il vous a volé de l'argent. Lui, il a vu. Est-ce que moi, je peux venir témoigner que Réhouven, il a volé de l'argent? Ben non. Je suis ce qu'on appelle un Ed Mipi Ed. Un témoin au nom d'un autre témoin.
Baba Salé, c'est un grand tzadik, et bien il n'a qu'à venir témoigner lui-même s'il y a un problème. En tout cas, s'il me transmet lui son témoignage, moi je ne suis pas un bon témoin pour témoigner. Je n'ai pas vu moi-même la scène. Je dois venir témoigner de ce que j'ai vu. D'accord ? Les Oued Ora Oyada. Entre parenthèses, il y a un petit problème dans le pasouk, comme je viens de le mentionner. Il y a un témoin qui a vu et qui a su, en fait, savoir de quelle manière on sait. En fait, on sait parce qu'il a reconnu l'accusé a lui-même reconnu qu'il avait une dette d'argent dans certaines conditions. C'est ce qu'on appelle une odate. Baldin, il a reconnu de lui-même qu'il devait de l'argent. Donc, de ce fait, c'est une valeur de témoignage. Mais de nouveau, je viens témoigner sur ce que j'ai entendu de mes oreilles, ce que j'ai vu que lui-même, l'accusé lui-même, a reconnu qu'il lui devait de l'argent. Mais c'est pas que je sais parce que c'est un très grand sadique qui m'a raconté. D'accord ? C'est clair, nous sommes très simples. Donc maintenant, la Mishnah nous enseigne qu'un mauvais témoin, quelqu'un qui n'est pas apte à témoigner, donc ne peut pas, ne transgresse pas la Shvuat à Edout. Il y a un problème technique, c'est que cette notion-là, on le connaît depuis la première Mishnah du Perek. C'était déjà la marque là-bas, que Shvuat à Edout, Noaget Banashim, Bolo Banashim, Bolo Chokim, Bolo Bogrim, Bakshirim, Bolo Bapsulim. On avait appris là-bas, dans la première Mishnah du Perek d'Alet, qu'il n'y a pas de Shvuat à Edout chez les gens psulim, ceux qui sont inaptes à témoigner. En l'occurrence, la Mishnah Yudalef, c'est une pure répétition. Sur ça, il y a le Ramban qui donne une explication. Ouais, c'est clair. Quelqu'un qui ne peut pas témoigner, on l'a déjà appris, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas témoigner, qui est inapte à témoigner. Donc s'il ouvre la bouche, il ne fait pas sortir l'argent. Eh bien, s'il ferme la bouche, il ne sera pas capable de la Shvuat à Edout. On a un problème technique. Le Ramban, rapporté par le Tosfot Yom Tov ici, nous répond qu'on parle en réalité d'un cas très original. Une notion qu'on a déjà appris dans Sanhedrin, c'est que si on a un différend entre vous et moi, par exemple, et que vous me dites, ouais, votre frère, ton frère, il a vu que même ton frère, il sait, même mon frère, il sait très bien que je lui dois l'argent. Donc, mon frère ne peut pas venir témoigner, ni pour moi, ni contre moi. Il est inapte. Maintenant, malgré tout, si la deuxième partie, donc vous acceptez, j'accepte, je vous dis, tu sais quoi ? Bien, j'accepte. Si mon frère, il vient au Bedin et il nous raconte la scène, même si mon frère, il est inapte à témoigner, mais si lui, il m'accuse, malgré tout, j'accepte de payer. Donc là, cette fois-ci, vous allez me dire, ah, mais dans ce cas-là, si mon frère, il vient, il va témoigner. Ça aura peut-être une valeur de témoignage, puisque j'ai accepté sur moi qu'il va être un témoin. Et de ce fait, mon frère, en théorie, s'il ouvre la bouche, je vais devoir dépenser de l'argent. Donc s'il la ferme, il transgresse la joie d'aller d'autre. En théorie, il y aurait peut-être ici un trio de joie d'aller d'autre. Le Ramban enseigne non. Parce que quand mon frère vient et qu'il peut témoigner, ça n'a pas de valeur de témoignage. Ça a une valeur que j'ai prise sur moi, j'ai accepté, mais en tout cas, ça n'a pas ici une valeur de témoignage, il n'y a pas ici un Shem Edout, ouais. Il n'est pas aide, il n'a pas ici toute la mitzvah de témoigner, il n'a pas une mitzvah de témoigner, il a peut-être une mitzvah de vous aider à vous restituer une perte, mais en tout cas, il n'a pas ici la mitzvah de témoigner, parce que c'est un témoin inapte. Il y a une autre notion très intéressante, c'est qu'il peut faire un chesed. En tout cas, il n'est pas témoin de ce cas-là, il ne sera plus chayav du korban de la Shvuat à Edout. D'accord ? Encore une autre explication. Il y a un Tiferet Israël ici, dans le Yachin, Boaz, plutôt dans le Boaz, qui explique aussi quelque chose de très intéressant, qui explique encore que la Mishnah, elle ne s'est pas répétée, elle est venue nous apprendre quelque chose de super, c'est qu'elle est venue nous enseigner que, comme ce qu'on a déjà évoqué dans les Mishnahs précédentes, on l'a déjà rapporté deux fois depuis le début du Perek, même s'il n'y a pas de Shvuat à Edout, il y a quand même une transgression, la Shvuat bitouille, le fait qu'il jure à tort. Alors maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un qui est inapte à témoigner et qui dit « Je jure que je ne suis pas un témoin. » Eh bien, la Mishnah est venue dans un nid qui ne sera même pas chayav à cause de la joie de bitouille. Si dans certaines conditions, il y a peut-être ici un corban de joie de bitouille, eh bien là, ça s'appellera qu'il n'aura même pas juré à tort, étant donné qu'il n'est réellement pas témoin. Donc quand il dit « Je te jure que je ne connais pas de témoignage », c'est fini, « Je te jure que je ne peux pas ouvrir ma bouche et témoigner. » Et sur ça, il transgresse même pas d'interdit de jurer à tort, à faux, parce qu'il jure vrai qu'il ne peut pas témoigner, effectivement. Non pas parce qu'il ne connaît pas, mais parce qu'il n'est pas, il a pas ici, il n'est pas porteur d'accord, c'est pas un témoin qui connaît le témoignage pour faire sortir l'argent selon l'Egdarim de la Torah. De ce fait, il sera même pas capable de la joie de bitouille si toutefois il était un peu béchogeg ou peu importe. D'accord, c'est clair ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslacha Kol Tov. Salam.